Je suis heureuse que t'aies oublié ta veste. Non, je m'en fous de la veste. Il fait 30 degrés dehors, t'as pas vu. Si je suis revenu, c'est pour toi. J'ai jamais ressenti ça, je te jure. J'aime trop ta peau, te toucher. Après, t'es là que pour le physique, en fait. Ouais. Ouais, je suis là que pour le physique, quoi. Non, en vrai, tu me plais trop. Ça va? Ouais. J'ai envie d'être contre toi là un peu. Tu comprends mon préservatif? Ouais. Ok. Toi, t'y arrives? Je sais pas où ils sont. Je peux attendre. C'est bon. Ça va. Enfin, t'es sûr parce que. Non, mais. Attends. Putain. Je sais. Je vais pas te mentir, je sais pas ce qui se passe. En fait, j'étais tranquille là tout d'un coup. En fait, c'est comme ça, c'est. Mon putain de problème. Tu sais, quand on se parlait sur un V2V, j'avais fait des recherches. Ils disent que genre, enfin, si t'as une érection et que tu penses que le blocage est dans ta tête, que ça t'empêche pas de m'embrasser, de vouloir être proche de moi et tout, bah, peut-être que t'es asexuel. Quoi ça? C'est juste une orientation sexuelle, enfin non sexuelle du coup. Ça veut dire que t'as pas envie, jamais quoi. Non, non, ça c'est. Ça c'est pas possible ça. Mais enfin après, c'est vraiment juste une hypothèse, hein. Ça dépend de plein de trucs, ça dépend de si t'aimes te masturber ou si tu penses que ce serait mieux avec quelqu'un d'autre ou. Enfin, de toute façon, ça dépend. Chaque personne asexuelle est différente, donc.